Yahoo et du Bangcha, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée. Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la vidéo du coup du bilan du week-end à 1000. Donc si tu ne connais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir dans le petit i ou dans la barre d'infos pour avoir ma vidéo présentation et explication du coup de ce challenge, ainsi que le lien du groupe. Et si la suite t'intéresse, du coup je t'invite tout simplement à continuer. Donc du coup, en ce qui concerne le week-end à 1000, avant de te parler du coup de quel niveau j'ai pris entre les 1000 pages ou les 2000 pages, je tenais tout simplement d'abord à remercier du coup toutes les personnes qui ont participé. Je tiens à remercier du coup tous ceux qui nous ont rejoints sur le groupe Facebook. Ça m'a fait extrêmement plaisir de voir du coup que mon idée finalement n'était pas si stupide que ça. Et aussi remercier toutes les personnes qui ont pensé à me taguer, par exemple dès qu'il y en avait qui mettaient leur Insta Story, ils pensaient à m'identifier sur la photo pour que je puisse voir en même temps au compte-gouttes. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir, vous pouvez pas savoir à quel point ça a rendu ces deux jours incroyablement positifs pour moi, remplis de bonheur ou remplis de joie, parce que je voyais que ça vous faisait plaisir, que vous m'identifiez, histoire que je voie quand même vos progressions, etc. Donc voilà, donc je tenais aussi à m'excuser, il y a eu deux ou trois personnes à qui j'ai pas à chaque fois répondu, mais en même temps j'étais pas chez moi, j'étais sur Toulouse, j'étais en week-end avec mes parents, donc c'est vrai c'était assez compliqué de gérer les deux. En même temps aussi, ça a été très compliqué pour moi du coup d'arriver aux 1000 pages, sachant qu'il y a eu quelques petits couacs par-ci par-là. Donc voilà, mais je tenais vraiment à vous remercier à tous, tous ceux qui ont posté même sur la page Facebook, tous ceux qui ont, voilà, qui ont commenté, qui ont agi, qui ont partagé tout ça. C'était vraiment juste que du bonheur et je pensais vraiment pas que ça marcherait, sachant que ce projet là, je l'ai quand même depuis un petit moment dans ma tête, mais à chaque fois j'avais peur en fait que les gens trouvent ça nul. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu absolument ne pas être tout seul pour lancer ce truc, qu'on soit 4. Parce que je voulais déjà faire participer les personnes avec qui je discute le plus et les youtubeurs avec qui j'ai le plus de relations au niveau du manga. Et justement je voulais pas être toute seule parce que comme ça, ça permettait aussi que 4 communautés, 4 chaînes se rejoignent sur une seule plateforme, se découvrent entre eux, etc. Donc ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir, en tout cas ce week-end et vos partages, ça m'a fait vraiment juste rendu tellement heureux, vous pouvez pas savoir. Donc du coup, en ce qui concerne le week-end à 1000, moi personnellement, ce que je vous avais proposé, c'était du coup 2 niveaux. Parce que je trouvais que 1000 pages, c'est vrai que c'était quand même assez rapide, parce que c'est à peu près 5 mangas et demi, plus ou moins, voire 6 mangas selon les pages des bouquins que tu prends. Mais je trouvais que c'était peut-être un peu facile, sachant que aussi, je sais qu'il y en a beaucoup qui lisent bien plus vite que moi. Donc du coup, j'ai proposé 2 niveaux. 1000 pages ou 2000 pages, ce qui permettait aussi que ceux qui, comme moi, n'avaient pas forcément tout le temps pour lire énormément, ça permettait quand même d'avoir un petit challenge et je trouvais ça plutôt sympa. Donc moi, bien entendu, vu que je savais que je n'étais pas chez moi, j'ai opté du coup pour le palier 1, donc les 1000 pages. Si j'avais pas eu le week-end, je pense que j'aurais essayé d'atteindre les 2000, mais là, sur Toulouse, tout ça, c'était trop compliqué. Il y avait tellement d'heures où je pouvais vraiment pas lire, c'était infaisable. Donc du coup, j'ai opté pour les 1000 pages et j'en suis plus que fière quand même parce que j'ai réussi. Ça a été chaud, j'ai eu vraiment chaud aux fesses d'ailleurs parce qu'à la fin, j'écoute, j'y arriverai jamais. Parce qu'en même temps, j'étais rentrée chez moi, donc fallait que je remette après des vidéos à charger, etc., etc. Ça a vraiment été la pagaille, mais c'était marrant. Donc du coup, c'est parti. Avant de commencer à te présenter vraiment mes lectures, je vais d'abord te présenter la pile que j'ai choisie, celle que tu as dû voir du coup pendant l'intro. Donc, je vais aussi t'expliquer pourquoi avoir pris ces tomes-là et pas d'autres. Donc déjà, j'ai pris les deux premiers tomes de Rockin' Heaven. Bref. J'ai pris du coup les deux premiers tomes de Ceux qui ont des ailes. Voilà. J'ai pris aussi le tome 1 de Avoue que tu m'aimes de Aya Oda. Et ceux qui ont des ailes, c'est la mangaka Natsumi Takeya qui est la mangaka de Fruit Basket, son œuvre la plus connue. Et du coup, le tome 13 qui est le tome bonus de Daytime Shooting Star. Ça me faisait 6 tomes et donc du coup, normalement, j'atteignais mon but. Après, en regardant aux chiffres près, peut-être qu'il va falloir que je lise quelque chose en plus, mais voilà ce que j'avais prévu de lire. Je vais d'abord t'expliquer d'abord pourquoi ce manga-là. Déjà, Daytime Shooting Star, ça me permettait de te présenter lors d'une vidéo et de ne pas faire une vidéo spécialement là-dessus, sachant que beaucoup de personnes ont déjà expliqué ce que c'était, que moi j'ai fait une vidéo présentation du manga, je ne me voyais pas te présenter juste bonus alors qu'en fait il n'y a pas grand-chose à dire.
En ce qui concerne du coup Avoue que tu m'aimes et les autres titres, les trois autres titres en fait, c'est tout simplement que ce sont des séries très très courtes, comme je vais arrêter de lire dans 2 semaines pour moi, parce que moi le jour où je filme en fait on est lundi la même semaine que toi, mais en fait au niveau des vacances scolaires je vais arrêter forcément de filmer ou très peu, et donc du coup il me fallait des séries très très courtes pour pouvoir les lire et voir les présenter tu vois d'ici la fin de l'année. Donc ouais, j'ai opté que pour des séries très très courtes. La prochaine fois, je pense pas que je fonctionnerai comme ça. Et pourquoi juste par exemple le tome 1 ou 1, 2? Déjà parce que c'était comme ça dans ma bibliothèque. Et aussi tout simplement parce que ça me permettait de te faire un petit bilan sur les 2 premiers tomes, te dire si j'ai envie de continuer ou pas la série, te faire comme une sorte de vrai bilan lecture. Donc du coup, bah voilà, ceux qui ont des essais, c'était pour ça. Et parce que c'était je crois en 8 tomes, comme Rockin' Heaven déjà, d'ailleurs. Donc du coup, c'est pour ça que je les ai choisis. On attaque les mangas, donc je vais te les présenter dans l'ordre de lecture, t'expliquer comment ça s'est passé, etc. Ici, comme d'habitude, je te mettrai les informations sur le manga. Par ici, je te mettrai sûrement un compteur de points, mais je pense que tu apercevras très rapidement. Donc on va commencer du coup avec le manga Rockin' Heaven, donc un manga des éditions Panini de Mayu Sakai. Sakai, ouais. Bref. Donc du coup, ce manga, j'ai commencé par celui-ci vendredi soir, vu que le challenge commence à 19h. Déjà, 19h, c'est un peu tard pour moi, surtout si, voilà, j'avais quelque chose le lendemain, donc forcément, fallait que je me couche tôt. Donc j'ai pris mon médicament à l'heure, et forcément, 19h, je commence déjà à être un peu claquée. Et en plus, j'avais eu une semaine assez chargée, surtout que j'avais peur, le vendredi, je stressais énormément, parce que j'avais peur que toutes les vidéos ne soient pas en ligne, du coup, pour le week-end. Donc forcément, j'étais pas forcément en très bon état pour commencer le challenge. J'ai arrêté la série du coup au tome, à la page pardon, 65, tout simplement parce que j'ai trouvé que le manga était sympa, mais c'était énormément du déjà vu. Et pour une personne qui, comme moi, a lu, j'ai bien envie de dire grosso modo, entre 100 à 200 titres de shoujo, mais je ne saurais pas dire exactement le chiffre, donc je te laisserai sûrement afficher le nombre de shoujo en manga que j'ai lu, parce qu'après j'en ai vu aussi en animé. J'ai trouvé ça très facile, très déjà vu, et franchement je ne voyais pas du tout l'intérêt et ce que pouvait m'apporter ce manga au niveau de la lecture. J'attends aussi de temps en temps que des mangas m'apportent quelque chose d'intéressant, quelque chose de frais, et là on était vraiment sur quelque chose de trop vu, trop simple, trop facile, donc du coup je ne prenais aucun plaisir à ma lecture, bien qu'il y ait certains petits détails qui sont différents de d'habitude, mais au final on est vraiment sur quelque chose de déjà vu. De plus, si je me trompe pas, ça doit être sûrement un manga à conseiller 12 ans et plus. Il y a 2 types de mangas dans ce genre là au niveau du tranche d'âge. Il y a ceux qui visent réellement un public 12+, ou du coup quand t'es un peu plus vieux tu te sens complètement plus visé, c'est mon cas. Et tu as le genre de manga où public 12+, mais en fait tu peux avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans, voire plus, et au final tu vas quand même surkiffer la lecture, parce que on met dans ces cas-là un âge conseillé pour donner une idée, mais au final l'âge conseillé n'est pas si important que ça, alors que dans d'autres c'est vraiment plus à respecter, ce qui est le cas avec Rockin' Heaven. Par contre, si tu n'as pas lu autant de titres que moi, je pense que Rockin' Heaven peut être un manga intéressant, bien que la qualité de dessin soit assez ancienne, mais personnellement, j'adore cette qualité de dessin, ça fait toujours du bien. Je sais pas si on verra suffisamment. Voilà. Donc du coup on continue et on passe du coup à samedi matin. Donc forcément en allant sur Toulouse, moi j'arrive à lire dans la voiture, donc j'ai lu en trajet. Et j'ai commencé d'abord par Ceux qui ont des ailes. Je me suis dit, après avoir foiré avec Rockin' Heaven et avoir du coup abandonné le manga en cours de route, je me suis dit c'est pas grave, on va attaquer avec Ceux qui ont des ailes de Natsumi Takeya, l'auteur de Fruit Basket, ça devrait le faire. Eh ben non. Donc voilà. Donc pareil, une série où j'ai foiré tout simplement parce que là aussi j'ai abandonné au bout de 60 pages. Alors en ce qui concerne la qualité de dessin, certes elle est pas oufissime, mais je la connais cette qualité de dessin parce que c'est Natsumi Takeya, c'est un mangaka que je connais et que j'ai déjà lu plus d'une fois. J'ai lu toutes ses vieilles œuvres, on va dire. Mais en fait tout simplement je n'ai pas accroché parce que ça allait être plein de petites histoires. Alors c'est pas un chapitre une histoire, on est sur apparemment sur les mêmes personnages, sauf qu'il va avoir plein de petites aventures. Donc un coup elle va essayer de, par exemple, de découvrir
où était l'objet à voler, un coup ça va être autre chose, un coup ça va être autre chose. Et en fait, du coup, c'est plein de petits épisodes, ça se suit, mais voilà, moi j'aime pas trop. Alors certes, ça va être un peu similaire par exemple à du Cat's Eyes où elles ont plusieurs petites missions, mais on sait que ça va être des missions. Là, je m'attendais à vraiment tout un. Je m'attendais en fait à ce que ce soit plus comme un shonen où tu as une aventure de A à Z. Je sais pas si tu vois en fait. Quand tu as une quête et que de A à Z, tu vas être sur la même quête. Là, ça allait être que des petites séries. C'est bourré de pseudo-humour qui m'atteignait pas tant que ça. Donc, du coup, je trouvais c'est un peu remplan-plan. En animé, ça aurait pu être pas mal. Mais en manga, pas du tout. Alors, je vais te censurer une image parce que elle peut être un peu spoil. Mais oh. Voilà. Donc du coup, pareil, 60 pages. Donc du coup, on est déjà à 120, 130 pages déjà. Après avoir échoué lamentablement du coup avec deux mangas, les deux premiers du coup j'avais échoué, je m'étais emmené un peu plus de mangas que prévu du coup pour lire dans la voiture tout simplement parce que je pensais que ma pile n'allait pas être suffisante, sachant qu'en fait j'avais volontairement laissé Detain Shooting Star tome 13 à la maison pour du coup dimanche soir parce que je savais qu'on n'allait pas rentrer non plus spécialement tard. Genre vers 18h, donc j'avais encore le temps de lire ça. Donc du coup, j'avais emmené, vu qu'il me restait les deux derniers tomes, j'ai emmené du coup le tome 18 et le tome 19 de Kurokami. Si je me trompe pas, tu as déjà vu les deux premiers bilans de lecture de disponibles sur la chaîne. Je te les remets en barre d'infos si tu ne les as pas encore vus. Et donc du coup, j'ai lu le tome 18 de Kurokami. Alors là, je vais rester assez vague vu que du coup, c'est un tome 18. On continue toujours l'aventure, on continue toujours d'être sur un méga coup de cœur. Et on continue tout simplement l'aventure, c'est assez compliqué. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de révélations, beaucoup d'explications. Je peux pas te montrer des pages du tout de. Ouais, si ça. Sans que tu lises ça, parce que sinon tu. Voilà. Mais du coup, on a beaucoup de révélations, beaucoup d'informations de ce manga, dans ce volume. Il est vraiment très, très, très intéressant. Évite de lire les pages, bien entendu, si tu ne veux pas être spoil. Voilà, mais regarde juste la qualité du dessin. Et donc du coup, voilà, donc ce volume-là était vraiment intéressant et c'est peut-être pas l'un de mes préférés, mais quoique, c'est peut-être l'un de mes volumes quand même préférés de la série. On va du coup sur ceci, voilà. Donc du coup, j'ai lu l'intégralité de ce volume et ça m'a rajouté du coup pas mal de pages au compteur. Je vais passer du coup à ma plus grosse honte en fait de ce week-end. J'ai mis dans ma pile du coup pour ce week-end le manga Avoue que tu m'aimes et je ne l'ai pas lu. Voilà. Donc je pense que je vais peut-être. J'hésite un petit peu en fait à le lire réellement parce qu'en ce moment je n'ai pas du tout envie de le lire donc j'ai peur en fait de ne plus avoir envie. Au moment où je l'ai acheté, j'avais envie mais maintenant j'arrive plus trop à avoir envie de le lire. Peut-être à cause du titre qui me refroidit un petit peu, un peu trop, tu sais, fleur bleue, j'ai envie de dire. Et donc du coup, pour l'instant, je l'ai mis à vendre. Si je ne l'ai pas vendu d'ici là, je le lirai. Et sinon, ben voilà, s'il est vendu, il est vendu. Ce sera un signe du destin, tout simplement. Donc voilà, ma plus grosse honte, je ne l'ai pas lu. J'avais fait une super photo d'ailleurs pour le dimanche matin. Autant pour moi, je me suis trompée, j'ai inversé en fait ma lecture de dimanche matin et là je vais te présenter celle de samedi soir, donc c'est pas très très logique. Mais samedi soir du coup, j'ai lu Man in the Window du coup des éditions Kiun, qui est un manga en 3 tomes. Alors, Man in the Window, en ce qui concerne ce manga, pourquoi je l'ai lu? Tout simplement parce que normalement, le tome 3 devait sortir le 7 décembre. Sauf qu'en fait, la date a été reportée et on ne sait pas du tout pour l'instant quand c'est que ça va sortir. Donc je suis très en colère parce que forcément, je déteste lire comme ça un tome et devoir attendre une éternité pour lire la suite. Sachant que voilà, c'était annoncé au 7 décembre, tu te dis, bah, je l'ai lu samedi soir, je me suis dit, c'est bon, c'est passé, le 7, je vais pouvoir l'acheter. Je regarde sur Amazon, je vois indisponible, je me suis dit, oh, bah, rupture de stock, tout simplement. Ça arrive très souvent que les nouveautés comme ça, de fin de série, soient en rupture de stock sur Amazon, donc je me suis pas pris le chou. Et puis en fait, du coup, comme j'ai commandé quand même le tome 2 samedi soir, je me dis, le dimanche, je vais peut-être essayer de voir à la Fnac si. Par pur hasard, il serait pas dispo. Et là, je demande à une vendeuse, il est où le tome 3 de Man in the Window? Elle regarde sur l'ordinateur. La date a été reportée, on ne sait pas du tout quand il sortira. Ah, d'accord. Bon, voilà. Donc du coup, Man in the Window, c'est un manga du coup que j'ai lu en entier. Je trouve que le scénario, pour l'instant, est très intéressant et plutôt pas mal. Parce que certes, c'est
quasiment un huis clos au final. Si on peut considérer ça comme un huis clos. Mais je trouvais ça très intéressant, plutôt sympa, assez spécial, assez aussi stressant. Donc c'était en fait dans le bon sens du terme. J'ai vraiment apprécié la lecture. Donc en fait, pour faire court, comment il s'appelle ? Shuei en fait, donc on suit Shuei qui a 17 ans et un jour entend dans une rue, à travers la, dans la rue, il va frapper à une fenêtre et à travers la fenêtre, il peut en fait communiquer avec son lui du futur qui a 3 ans de plus que lui. Donc son lui du futur lui demande forcément de changer quelques petits détails dans sa vie du présent, donc de la version 17 ans, pour tout simplement que sa vie du futur, donc de à 20 ans, soit tout simplement plus intéressante, soit moins chiante et moins ennuyante. Ça me fait extrêmement penser à Orange sans le côté tout mignon, couple, etc. Mais au niveau du « je suis du futur, je te préviens de ton présent, enfin de ton prochain futur, pour éviter que tu fasses de la merde et que mon futur à moi soit pourri », version j'ai 20 ans, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est dommage du coup qu'il soit en 3 tomes, mais je pense qu'en même temps en plus ça aurait été un petit peu ennuyeux. Mais ce qui est dommage aussi c'est que du coup je dois attendre pour lire la suite et je sais pas du tout quand c'est que je pourrais vous le présenter l'intégralité, parce que voilà. Mais en tout cas pour un premier bouquin, je suis convaincue, la preuve, j'ai acheté le tome 2 et j'espérais du coup acheter le tome 3. Donc je suis désolée, j'ai complètement oublié de vous présenter la qualité du dessin, mais je suis pas habituée à le faire quand je parle d'un manga. Voilà, je vais essayer de te montrer le lui du futur. Voilà, là c'est en mode flippant, donc c'est pas forcément très intéressant. Voilà. Donc lui du futur, lui a 17 ans. 20 ans, 17 ans. Voilà. Donc la qualité de dessin aussi est très agréable. Ça me fait penser au niveau de la qualité de dessin dans l'intimité de Marie, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est une qualité de dessin que j'apprécie. On continue du coup avec un shoujo des éditions Soleil qui est pour public averti, âge conseillé 14 ans et plus si je me trompe pas. Je sais pas pourquoi je dis ça alors qu'il y a toutes les infos à côté de moi. Toujours est-il qu'en ce qui concerne du coup ce manga, je tiens à remercier d'ailleurs l'abonné en question. Alors en fait lors du week-end à 1000, je crois que ça doit être le vendredi, une abonnée m'a envoyé sa photo pour me dire tiens regarde Ibi, c'est ce que je vais lire. Je me dis tiens, ce manga là il était dans ma liste, c'est bizarre, j'étais même pas au courant qu'il y avait un tome 4 qui était sorti. Je vais sur mon ordinateur, je regarde sur le petit site et je me rends compte que la série est terminée. Bon elle s'est terminée au mois de novembre, c'était pas forcément la date la plus évidente pour moi, j'étais pas forcément en état pour penser à tout ça. Et en fait j'ai complètement loupé la sortie. Donc en fait en allant à Toulouse, je visais déjà dans mes achats de l'acheter, sachant que je savais forcément que j'allais aller et dans le Gilbert Joseph et dans le comptoir du rêve. Oui, voilà, j'avais le sac. Donc du coup, je visais tout simplement d'acheter au moins le tome 1 de ce manga pour pouvoir lire la série et la continuer. Donc du coup, c'est le manga Be Myself. Donc du coup, je suis très contente parce que j'ai réussi à acheter le tome 1. Il n'était pas en occasion, il n'était que en neuf, donc ça c'était un petit peu dommage pour mon portefeuille. Mais c'est pas grave. Donc du coup, j'ai lu l'intégralité. J'ai adoré, j'ai acheté d'ailleurs les 3 tomes carrément d'un coup et je les reçois du coup demain pour moi, donc c'est juste parfait. Je vais pouvoir continuer la série et par contre je pense pas que je vais vous le présenter tout de suite parce qu'en fait Ceux qui ont des ailes et Rockin' Heaven, je sais plus du tout pour quand c'était prévu mais c'était pas pour tout de suite. Je te mettrai en barre d'infos du coup la date à peu près de quand je visais de le présenter, mais ça sera vraiment pas pour tout de suite. Il y a un petit décalage parce qu'il y a certains titres que je veux présenter avant d'autres, etc., etc. Mais voilà, mais de toute façon je t'en parlerai très très vite. Et si tu as vraiment besoin de passer le cap, tu veux vraiment l'acheter avant ma vidéo, n'hésite pas à me demander tout simplement si c'est un coup de cœur, un méga coup de cœur, voire la note globale. Il n'y a pas de souci, je te ferai tout ça. Hop là, de te présenter un autre perso. Ah, pour t'es un troisième personnage. Donc après avoir lu Be Myself, il me restait, si je dis pas de bêtises, 280 pages à peu près à lire. Sauf que du coup dans la voiture il me restait plus que celui-ci. J'avais ça encore sous la main. Donc je n'ai pas lu entièrement en fait Kurokami, j'ai lu que cette partie là
Tout simplement parce que c'était dans la voiture, c'était le soir, quand on est rentré à la maison, déjà il faisait 18h, il faisait déjà nuit depuis un petit moment. Donc j'ai été obligée d'arrêter en cours de route. Donc je me suis dit, c'est pas grave, t'en es là, t'as avancé, tu auras la suite, tu liras ça, du coup, je pensais à mardi, du coup, le lire de mardi matin. Et je me suis dit, c'est pas grave, au pire, t'as avancé. Et en plus, pile où je me suis arrêtée, c'est pile avant le combat final. Donc je me suis dit, c'est parfait. Et en rentrant, du coup, alors forcément, hein, c'est toujours aussi intéressant, je peux pas dire grand-chose, on est sur le dernier tome. Et du coup, en rentrant, je me suis lu tout simplement le tome 13 de Daytime Shooting Star. Et du coup, le nombre de pages que j'avais lues pour Kurokami et Daytime Shooting Star, ça me faisait tout pile 1000 pages. Je sais pas si c'était pas par exemple 1000 ou 1002, un truc comme ça, mais j'avais mes 1000 pages, donc j'étais sauvée. Donc je me suis dit, tu liras Kurokami la fin mardi comme prévu, te prends pas le chou. C'est déjà bien, t'as réussi ton challenge, malgré que ça soit compliqué, malgré qu'il y ait eu deux séries abandonnées en cours de route, qu'il y en a une que t'as pas eu envie de lire. Mais c'est pas grave, j'ai atteint mon challenge. Donc ce volume-là, c'est un volume complètement bonus par rapport à la série. Tu n'es absolument pas obligé de le lire pour comprendre la série, vu que ça, c'est vraiment plus un recueil de petites histoires courtes qui n'ont aucun rapport vraiment. Enfin, on a nos personnages, mais à un moment donné, il y en a un, c'est en cours de route de l'aventure, il y en a un, c'est après, et il y a un chapitre complètement bonus où les personnages masculins deviennent féminins et les personnages féminins deviennent masculins. Donc voilà, c'est vraiment pas un manga forcément obligatoire. Donc c'est pour ça aussi que je voulais le lire forcément dans un challenge week-end à 1000 ou un truc comme ça, parce que je me voyais pas du tout te le présenter dans mes lectures. Et voilà, les bilans de lecture, comme j'en fais pas des vrais, c'était un petit peu compliqué. Donc voilà, tout simplement. Mais j'ai passé une très très bonne lecture, bien que j'ai eu du mal forcément à m'y remettre dans le volume. Parce que forcément, j'avais quitté les personnages il y a très 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 longtemps, donc c'était pas vraiment la meilleure idée à faire. Mais c'est pas grave, comme ça au moins je l'ai retiré de ma pile de la honte. La vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et pourquoi pas la commenter. N'hésite pas du coup à me mettre ta pile à toi que tu as lu. N'hésite pas du coup à me mettre quels sont par exemple les mangas où tu as été déçu, d'autres où tu as été surpris en positif. N'hésite pas à me mettre aussi tes chiffres que toi tu as fait, le nombre de pages et le nombre de pages visées. Ce que tu as ressenti, est-ce que tu as ressenti beaucoup de stress? Par exemple, tu avais peur de ne pas y arriver? Est-ce que tu as ressenti de l'amusement avec ce challenge? Ce que tu as ressenti par exemple en partageant sur les réseaux sociaux, du coup sur la page Facebook, etc. etc. Je suis très friande de découvrir tout ça. N'hésite pas aussi à me mettre dans les commentaires si tu as des conseils pour m'améliorer pour les prochaines vidéos bilan week-end à 1000 ou autre challenge comme ça. Je te retrouve du coup bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve très vite pour un futur week-end à 1000. N'hésite pas du coup à nous rejoindre sur la page Facebook pour avoir toutes les informations. On va sûrement décider ça pendant les vacances de Noël du prochain week-end. Voilà, sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai déjà dit. Donc, je te laisse. Bye!